Salut, salut, bienvenue sur Another Homepage. Comme toujours, je suis Nils et on se retrouve pour un nouveau stream du jeudi, ce qui veut dire au programme automatisation de conteneurs. Salut à toi Little Black, salut à toi Chavenet, c'est gentil même si tu fais que passer. C'est très gentil de te joindre à nous, même temporairement. Et merci énormément, merci beaucoup Xavier, merci. Merci pour ton sub, merci pour ton 18e mois d'abonnement, c'est fantastique. Je suis liesse, je suis joie, bonheur et félicité. Et je te suis reconnaissant de ton soutien sans cesse renouvelé. En clair, merci tout plein. Salut à toi, Haribo. Ouais, Ansible, we love. Alors... Alors, donc, de quoi il est question, donc, d'automatisation de conteneurs. Donc, ça commence à faire un petit moment hein, qu'on est sur ce projet. Et en quoi est-ce qu'il consiste? Eh bien, en fait, il consiste à mettre en place, de façon automatisée, des conteneurs sur une petite machine virtuelle. Et quand je dis petite, c'est que bah, c'est une machine virtuelle qui genre a, je sais plus, 1 gig de RAM, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Elle a même pas 1 gig de RAM, il y a 2 vCPU. On va voir, on va passer dans un instant sur la VM. Mais voilà, l'idée c'est... Alors, pourquoi automatiser des conteneurs sur une petite VM comme ça? Eh bien, tout simplement parce que, bien souvent, on peut récupérer assez facilement des machines virtuelles pour pas très cher. Alors, on va pas exactement revenir sur tous les trucs qu'on avait jeté un œil la semaine dernière. Mais, en gros... il y a des entreprises qui proposent, en tout cas il y a des services qui proposent des serveurs privés virtuels d'entrée de gamme, de vraiment très entrée de gamme pour vraiment pas très cher. Et généralement, on est limité à 1 ou 2 vCPU et à parfois même seulement 512 mégas. Donc l'idée c'était voilà, d'avoir un truc avec des ressources limitées. Et qu'est-ce qu'on essaye de faire tourner dessus? Alors déjà, on a réussi à faire tourner dessus plusieurs sites web. Donc on a mis d'abord un conteneur de type reverse proxy, puis on a mis des conteneurs avec juste un serveur web. Bon, je ne suis pas allé à mettre du PHP, du Python ou d'autres trucs, mais en ayant ne serait-ce qu'un site statique, c'était déjà assez sympa pour voir un peu comment mettre en place tout ça. Et puis on a réussi la semaine dernière à mettre en place un conteneur de type PyHall et à pouvoir y accéder. Enfin, pour y accéder, en ayant fait une redirection de port, on pouvait accéder à l'interface d'admin. Et puis, on s'était engagé aussi sur des petites améliorations, notamment sur la problématique des volumes, puisque l'idée, c'est quand même d'avoir un truc qui soit, qui soit un minimum stable et puis un minimum persistant. Donc, la problématique de montage des volumes dans les conteneurs, c'est un truc qu'on a adressé la semaine dernière. Par contre, ce qu'on n'a pas encore fait et que je vais vouloir aborder cette semaine, eh bien, c'est le fait de mettre un conteneur de type VPN. Et je me rends compte d'ailleurs que j'aurais peut-être dû préparer une deuxième VM pour pouvoir faire en sorte de tester ce VPN. Alors, par contre, j'ai cru voir une blagounette juste avant de partir du taf, c'est qu'il semblerait qu'il y ait un souci chez GitHub. Alors pourquoi je parle de ce souci chez GitHub? Eh bien tout simplement parce que le code qui permet de faire ces conteneurs, d'ailleurs j'oubliais de dire, donc on automatise ça à grands coups d'Ansible, et la techno de conteneur que j'utilise c'est Podman, et qui est normalement compatible Docker. Et donc le code, bien entendu le code vous y avez accès, le code est beau, enfin le code est beau, non le code est moche, mais le code est libre. Le code est libre, et c'est ça qui est fantastique, c'est que vous pouvez, chacun et chacune, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez essayer vous-même, vous pouvez même proposer des améliorations si ça vous chante. J'ai déjà eu l'occasion d'accepter des pull requests de certaines ou certains d'entre vous sur quelques-uns de mes projets exposé en public sur GitHub. Donc si jamais ça vous chante, n'hésitez pas.
Alors, on va passer tout de suite sur, justement, hop, le bureau. Et on peut voir ici le repo. Et je vais vous le mettre dans le chat, d'ailleurs. Le code est toujours beau, tout dépend de quel côté on le regarde. Magnifique, Little Black. Magnifique. Non, c'est alors, pour la blague, le code est libre, le code est beau, c'est une référence. Alors, je vais peut-être être le seul à avoir la ref ici. Il se trouve qu'il y a eu, il existe un salon dédié au logiciel libre qui a lieu chaque année sur Paris. Alors, ce salon a changé de nom au fil des années. Au tout début, je crois qu'il s'appelait Linux Expo. Et ensuite, il s'est appelé Solution Linux. Solution Linux et open source pendant de nombreuses années. Hey, salut Fixoulab, bienvenue à toi. Tiens, on va peut-être tout de suite envoyer d'ailleurs le shootout à l'ami Fixoulab, qui fait des trucs de fou avec des vieilles consoles, donc n'hésitez pas à aller vous poser vos follow chez lui si c'est pas déjà le cas. Toujours est-il que ce salon, qui ensuite s'est appelé, je crois, Open Source Experience. Non, je crois que c'est son dernier nom, Open Source Experience. Oh, j'ai un doute. Enfin bref, le salon a changé de nom 25 fois. Ou peut-être juste 14, je sais plus. Et il se trouve que pendant bon nombre d'années, il y avait des gens qui venaient mettre l'ambiance, dirons-nous. Et il y a eu une année où ils avaient une certaine thématique et se baladaient dans le salon. Dans des tenues, ma foi, fort extravagantes, à dire de façon assez, assez entendable que le code est libre, le code est beau. C'était assez amusant. Enfin, ça dépend pour qui. Oui, alors, je vais le dire tout de suite, hein, bien entendu, ce groupe était mené par notre camarade Emile. Tiens, on va lui faire un petit shoot-out à lui aussi. Emile MB, hop. Ah, il faut que j'attende encore 49 secondes pour faire un autre shootout. Alors non, effectivement, en plus, il y a eu, il y a eu des petites blagues sur le stand de Microsoft, parce que oui, même si on parle d'un salon Linux et open source, Microsoft est là. Microsoft file de l'argent. Bref, toujours est-il que, si vous voulez, vous pouvez essayer tout ce bout de code-là. Alors, faudra peut-être changer inventory.ini. Faudra peut-être que je vois s'il y a moyen de faire quelque chose. Pourquoi je suis pas choqué que ce soit... Ah, si tu savais, Emile, il a... Comment dire Emile, il a un sacré dossier et... alors, je suspecte que je connaisse cette vidéo, puisque... Puisque oui, cette vidéo se trouve, comme c'est étonnant, sur ma chaîne YouTube. C'est l'une des premières vidéos que j'ai uploadées. Oh punaise, c'était il y a 8 ans. Voilà, c'est ça, solution Linux libre et open source en 2014. Alors, en 2014, c'était au CNIT à la Défense. Et aujourd'hui, le salon maintenant a déménagé. Je crois qu'il avait fait une année du côté de Versailles parce que la Défense était en travaux, du côté de Porte de Versailles, pardon. Et ensuite, il y a eu une fusion avec un autre salon qui s'appelait l'Open World Forum, qui lui était plutôt du côté sud de Paris, qui était vers, mince, au bout de la ligne 4 du métro, là. Mairie de... mince. Ah, flûte. Bon, tant pis, c'est pas grave. Et ensuite ça a bougé du côté du nord de Paris vers pas très loin d'Aubervilliers dans les Dock Pullman et puis ensuite là maintenant depuis je crois que ça fait deux ou trois ans que ça se passe à côté de flûte, j'ai oublié les noms aussi, je mange tous les noms aujourd'hui. C'est fou. Si je tape Open Source Experience. Open Source Experience. Je crois que c'est ça le nom, hein, maintenant. Open Source Experience. Hop, c'est ça. Voilà. Palais des Congrès.
Et c'est en duo avec un autre salon qui s'appelle Sido Paris. Salut à toi, Mr. Slayer. Désolé, je te réponds un peu tard. Oui, tout à fait, Chavenet. C'est visiblement... Alors, c'est sur 2 jours. Et c'est les 6 et 7 décembre pour l'année qui... pour cette année. Bonsoir. Salut, The Vengeur. C'est ici qu'on fait du chef pour automatiser le déploiement de Bare Metal. Alors, ici, c'est plutôt Ansible. Après, si t'as envie de faire du chef, y a pas de problème. Bien, bien, bien. Bon, toujours est-il que, voilà, le code est dispo. Le code est dispo, il est sur GitHub. Mais, si je fais GitHub status page, est-ce qu'ils ont encore des soucis? GitHub status. Ah non, c'est bon, ils ont résolu. Tout à l'heure, il y avait quelques trucs en orange. Incident avec actions... API request, code space, copilot, git operations, issues, pages, pull request, and webhooks. Ouais, voilà. C'était la fête. Tu détestes chef. Ah bah écoute, chacun son truc, hein. Il y en a qui aiment ça. Est-ce que tout va bien? Oh bah oui. Oh bah oui, ça va très bien. Ça va toujours très bien quand ça stream. En plus, je suis très content parce que figurez-vous que j'avance sur l'upgrade du Homelab. J'avais dit, je sais plus, dimanche ou jeudi dernier, que j'avais eu des petits problèmes. Bah, vous avez, en plus, le stream de janvier, un stream de janvier où j'avais voulu faire l'upgrade du serveur Homelab, avait malencontreusement échoué parce que j'avais pas de ventilateur sur le bon socket. Là, je me suis enfin procuré un ventilateur avec le bon socket qui est compatible. Alors je l'ai pas, j'ai pas monté la machine, j'ai pas remonté la machine, mais en tout cas, j'ose espérer que d'ici la fin du mois, soyons optimistes, d'ici la fin du mois, j'aurai remonté le Homelab et que je pourrai faire des trucs un petit peu plus sympas avec un environnement qui ventile moins, enfin en tout cas qui ventile moins fort et donc qui fait moins de bruit. Qu'est-ce que c'est que ce GitHub? Tiens. Ah, c'est une excellente question, Chavenet. Je ne sais pas. Ça va être la surprise. On me l'a donné, on m'a fait tiens cadeau. On m'a filé les barrettes de RAM, on m'a dit cadeau. On m'a filé des CPU, on m'a dit cadeau. Il y a certains CPU, je sais qu'ils fonctionnaient. D'autres CPU, bah, on les avait ouverts en live, ils n'avaient jamais été utilisés, donc on va espérer qu'ils fonctionnent aussi. Je me vois mal appeler Intel en leur disant « Au fait, j'ai des engineering samples qui datent de, 2000, de 2011 ou 2013. Est-ce qu'il y a moyen que tu me les remplaces ?» Bon, ouais, si ça marche pas, c'est pas grave. Ce sera pas gravissime. Je m'arrangerai autrement. Je sais pas, moi, je m'achèterai un Mac Pro. Je déconne. Après, la petite blague, c'est que la machine, donc l'itération actuelle de mon Homelab tourne avec une carte mère que j'avais achetée sur eBay et j'ai mis un mois à la faire fonctionner, la carte mère. Je m'étais, en fait, j'avais eu la flemme dans le boîtier dans lequel je l'avais monté. J'avais laissé les entretoises en mode micro ATX. Et en fait, il y avait une entretoise qui appuyait à un mauvais endroit sur la carte mère. Et ça l'empêchait de démarrer. Je vais faire du Mikado pour monter mon lab. Oui, mais ça m'amuse. Ça m'amuse, j'aime bien faire du démontage, du montage de PC. T'as remplacé un 7700K par un i5 de 13e gen, le gap technologique, tu es choqué. Ah bah oui, ça je me doute bien, The Vengeur. Après, je vais pas non plus redire exactement ce que j'avais raconté, je crois, dimanche dernier. Moi, j'ai décidé, pour le moment, d'essayer de prendre le moins de trucs neufs possible. C'est-à-dire que si jamais la carte mère fonctionne et que le ventirad est satisfaisant, j'essaierai peut-être d'abord de regarder s'il y en a des occasions
sur le du même modèle. J'en doute, mais au cas où, je regarderai. Et aujourd'hui, typiquement, ma machine actuelle est composée de beaucoup de composants d'occasion ou de récup. Enfin, typiquement aujourd'hui, moi, j'ai l'équivalent en version Xeon d'un Core i7 de 4e génération. Et ça passe pour streamer. Ah mais hardcore gamer, je comprends. Hein. Moi j'ai joué pendant de nombreuses années à certains jeux, notamment massivement multijoueurs. Et c'est d'ailleurs c'est ce qui avait conduit à ma dernière upgrade de GPU que j'ai faite au pire moment d'ailleurs. Et finalement, il y a quoi, même pas 6 mois, 1 an, que j'ai fait, allez, il y en a marre, j'arrête mon abonnement à ce jeu. En plus, l'entreprise commençait à avoir un peu un tas de casseroles, à être rachetée par un gros méchant pas beau, même si visiblement le rachat a l'air d'être bloqué par, je crois, les autorités britanniques. Donc bon. Et puis ça me laisse du temps pour faire beaucoup d'autres choses. Et encore, j'ai pas assez de temps, mais ça c'est autre chose. Mais je comprends tout à fait que effectivement quand on. Enfin, le besoin hardcore gamer est pour jouer à des AAA, tu n'aimes pas ces vilains pas beaux, ça a dû t'aider à prendre la décision. Pas forcément. Je t'avoue que si c'était juste le fait qu'il soit racheté par Microsoft, puisqu'on parle de Blizzard, hein, bien entendu, il se trouve que si c'était juste ça, j'aurais fait « Ouais, bon, écoute, Activision Blizzard appartient à Microsoft, ouais, ok. » C'est pas grave. Maintenant, le fait que l'entreprise est... alors, je sais plus où ils en sont au niveau de leur direction, mais visiblement, les gens qui sont à la tête de l'entreprise ont l'air de pas être des gens très bienveillants, pour rester correct. Et puis en plus, ils ont lâché les bureaux français, hein, y a plus personne maintenant, je crois. Donc bon, ça change pas, ça n'empêche pas que dans le passé ça a été du fort beau contenu. Bref, et si on passait sur notre Ansible, ou alors d'abord sur ce petit truc Developers Conference Agenda. Oh, c'est intéressant ça. Ah ben voilà, comme ça en plus, ouais, archive 2017. Ok, donc comme ça, en plus, il y a tous les trucs dans le monde, les... question, EuroBSDCon, est-ce qu'il y a un truc? Non. BSD, juste BSD, alors. Non, il n'y a rien. Parce que... si je reviens sur 2022, ce qui nous fait... Hop, non. Oh, il n'y a pas les conférences sur les BSD, il n'y a pas EuroBSDCon, il n'y a pas AGABSDCon. C'est dommage. Ah, et puis en plus, ils indiquent les Call for Paper et les... Ah, c'est cool, ça. Eh, c'est un joli lien, ça. Eh ben si jamais j'ai le temps, ben, je me gênerai pas, tiens. Encore que j'ai d'autres... Il y a d'autres choses sur lesquelles je veux faire des PR et des commits. Notamment j'ai bidouillé un peu sur NeoFetch. L'Ansible Fest à la fin du mois. Je serai probablement occupé. En ce moment, les salons, je me limite justement à l'open source expérience et à... quoi d'autre? Bah, en fait, à ça et à quelques autres événements perso, mais... parce que si je me mettais à en faire plus, il me faudrait plus de congés. Bref. Bon. On va se remettre sur notre VPS. Alors, la blague. À Boston.
Boston, ouais, non, là, alors déjà d'une, pareil, vous vous doutez bien que si je cherche plutôt à acheter des composants ou à me procurer des composants d'occasion, vous imaginez que prendre l'avion pour les mêmes raisons, et c'est pas seulement des raisons économiques, ça va un petit peu m'embêter. Si encore il fallait, je sais pas moi, prendre un peu le train pour aller, je sais pas moi, genre à Londres, à Berlin, à Bruxelles, je dis pas. Et Fix ou Lab essaye de vous réunir au Camping Speakers. Ah oui, j'ai vu passer ça. J'ai vu passer ça. Ça a l'air plutôt pas mal. Mais c'est une conférence surtout pour des développeurs. Et moi, je suis pas développeur à la base. Mais ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Dans le golfe du Morbihan en plus. Toi non plus, et tu y vas quand même. C'est plutôt chouette. Et puis en plus, oui, j'ai cru voir que le programme était quand même assez. Mais si on les aime par ici, les développeurs. On aime tout le monde ici. Moi, ce qui m'amuse déjà, c'est la keynote d'ouverture avec marché aux poissons. Vous êtes en train de me faire dévier là. On serait. On est chez moi pourtant, on n'est pas chez Emile que je sache. Vous êtes en train de me. Vous êtes en train de me faire drift. Oh les. Oh les petits malins, oh ils me font drift, il est déjà 8h30, ça fait une demi-heure que. Enfin non, pas une demi-heure, j'ai démarré un petit peu en retard. Ça fait presque 25 minutes et. Marcher aux poissons, je trouve ça marrant. Comment hacker vos applications mobiles? Oh! Construire soi-même son clavier mécanique. Oh, ça a l'air sympa! Idée bizarre ou idée de génie? Alors je sais pas s'il y aura des enregistrements vidéo, mais on sait tous utiliser le clavier standard AZERTY 100%. Oui. Est-ce que cette disposition est toujours pertinente en 2023? Eh, c'est pas dit. C'est pas dit, mais c'est l'existant et aujourd'hui il faut faire avec l'existant. En quoi faire son propre clavier peut-il être intéressant pour les développeurs et développeuses que nous sommes? Ah bah tu peux customiser tes macros. Et je parle pas des poissons. Survolons ensemble les différentes options. Ah bah oui. Il est bizarre, collerait bien au thème de ton live actuel. Ah là là. Bref, mais ouais, carrément, si jamais il y a un enregistrement de cette vidéo, je serais. Enfin, de cette presse. Créé par. Oh, hébergé sur. Oh, ils l'ont fait tout en statique et hébergé sur GitHub Pages. Ah oui, comme ça, au moins l'hébergement leur coûte pas cher. C'est pas bête. C'est pas bête. Bien vu. Allez. On va peut-être s'y mettre, non? Hein? On va se faire. On va se faire sur de, on va se faire un peu dans le cible quand même. D'ailleurs, j'en étais à. Alors, là, j'ai des conteneurs. Je vais relancer comme d'habitude. Hein, on va aller dans le cible. On va se faire un petit playbook. Voilà. Tant que j'y suis, pendant que le playbook se lance, pour l'anecdote, j'avais démarré, je crois, juste la machine, la VM que j'utilise. Je l'avais démarré avec un petit jeu comment dire, de fichiers de conf Terraform, que j'appelle ManyNodes et qui est dispo d'ailleurs aussi sur mon GitHub. Et d'ailleurs, je vous ai même pas filé ça, je crois. Voilà. Et si je l'ai déjà filé, désolé. Et le shootout à Emile. Hop, voilà. Et donc, j'ai voulu refaire un petit coup de mini-nodes pour tester des trucs, pour me faire un petit lab vite fait pour d'autres choses. Figurez-vous que j'ai failli désinguer cette VM 3 fois. Je me suis pris les pieds dans les variables. Ce fut assez comique. Alors, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Hey, cool. Et ça a changé. Ah oui, c'est à cause des droits en fait. C'est à cause des droits. On n'a toujours pas résolu cette affaire, visiblement. Faudra vraiment que j'y passe un moment. Mais toujours est-il que si je vais ici et que je nous fais un petit vim, je dis vim. Hop, on s'y va. Salut à toi, Nidouille! C'est très gentil de passer nous voir. Alors, Ansible role VPS. Hop, on fait étoile slash étoile étoile. J'ai dit point
YAML. Hop là. Et c'était le port, je crois, 8053, hein, pour aller voir la conf de... pour aller voir la conf de... 10.13.37. Je sais plus. Hop, et on a dit 149. 149, 2.8053. Hop, forbidden. Oui, parce que c'est slash admin. Hop, tu vas encore devoir regarder le replay. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, non, c'est vrai qu'il est toujours, il est toujours pas bon. Faut que je le... Faut qu'à chaque fois, je me reconnecte. Sudo podman ps1. Hop, allez. Exec moins t sur le paillot. Nice n'a pas encore commencé, il drift. Ouais, c'est ça, tu pourras skipper la première demi-heure, Nidouille. j'ai dit bin bash. Voilà, et ensuite, non, pas ça. On a dit paillot moins a moins p. Hop. Tada! Allez hop. Voilà. Et on est dedans. Ok. Donc on a ça. C'est cool. Ça marche. Comme ça, je vous montre au moins que mon truc est fonctionnel. Maintenant, maintenant, ce que j'aimerais faire, et je suis un peu embêté parce que j'ai pas pris de notes sur le live de la semaine dernière, où on avait, je crois, quelqu'un qui nous avait filé des liens vers des projets pour du VPN dans des conteneurs. Donc on va jeter un œil. Je voudrais jeter un œil à mes anciennes vidéos. Eh mais sauf que je suis en live. Donc ça va pas être pratique. Ah c'est une vidéo. Hop là. Alors, et ensuite, je fais une email. Oui, 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 visiblement, je lui copie dessus. Je lui copie dessus en ce moment. Et c'est vrai que j'ai complètement zappé. Alors, si je tape OpenVPN Docker Image, qu'est-ce qu'on a qui nous ressort? Oui, c'est vrai, que la force soit avec vous! Vous toutes et vous tous! C'est vrai qu'on est le 4 mai. Hop, voilà. Voilà, on va célébrer le 4 mai. J'ai un petit Yoda en... mince, comment ça s'appelle? En nanobloc. Voilà. Oup. Ah bah mince, il y a Grogu qui est tombé. Hop là. Alors si. Ah, vous me faites drifter encore. Bien sûr que j'ai un X-Wing. Alors, pas de la taille de celui d'Emile. Enfin, de celui qu'avait Emile. Petit Grogu fait en crochet, je crois, par ma belle-sœur, si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est ça. Et si, j'ai l'un des... Voilà. Le voici, le voilà. Alors, il n'est pas aussi... comment dire, c'est pas le grand modèle, le truc qui est fait pour être exposé façon maquette. C'est plus la version jouée pour enfants, mais c'est la première itération. Celui-là, il se fait plus aujourd'hui. On le trouve plus dans les... Nouveau challenge, empêcher Nils de faire son live. Ok, ça va, j'ai compris. Mais voilà. Voilà, ce X-Wing-là, donc c'est la première génération de X-Wing. Non, faut pas le faire tomber. Faut pas le faire tomber. Alors, ce qui est assez marrant, j'avais beaucoup aimé à la construction. J'aime beaucoup le système où il y a... Où là, vous voyez, il y a une petite mallette et en fait, il y a deux élastiques que vous pouvez voir là. Et si vous voulez, si je les tourne, hop, et ça maintient les ailes. Et je trouve ça assez classe. Alors non, ce n'est pas moi qui avais le X-Wing de Emile. Je l'ai, comment dire, j'ai fait l'intermédiaire pour lui trouver une nouvelle maison. Et si je ne m'abuse,
le nouveau propriétaire du X-Wing 10000 est dans la région bordelaise. Et puis alors, c'est pas un TIE Fighter, mais version Empire quand même, hein, avec un petit chasseur de l'Empire, voilà. Hop. Bien, 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 bien. Pour être honnête avec vous, même si le X-Wing de Emil, il avait l'air vachement chouette, et c'est vrai que ça aurait été un plaisir de l'avoir, il y a deux choses. Voilà, il y a deux choses. D'une part, il prend pas mal de place. Et puis en plus, vous imaginez pas la poussière qu'il avait accumulée au bureau. Et donc, ben, vous imaginez que faire les poussières sur des Legos, c'est pas évident. Et croyez-moi, déjà avec ces deux-là, c'est pas évident. Lego vient d'en sortir un nouveau. Ah bon? Faut pas me dire ça. Ouais, j'ai les miens, ça me va. J'ai pas besoin de plus. Alors, on avait... La semaine dernière... Il y avait un truc qui s'appelait Firezone. Et... Il y a quelqu'un... Et visiblement, j'avais trouvé ça aussi. C'est celui sur lequel je viens de tomber. Ok. Donc, c'est normal. Qu'est-ce qu'on avait eu d'autre la semaine dernière? Ou un petit Faucon Millennium. Un petit Faucon Millennium. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme... Là, j'ai tapé OpenVPN Docker Image. Mais si je fais WireGuard, qu'est-ce que ça donne? Et j'avoue, franchement, le Faucon Millennium, il fait envie, mais quand même. Linux Server Docker WireGuard. Docker Official Image. WireGuard Docker. Alors, un R2D2 qui me... comment dire, que j'ai, qui m'a impressionné, Nidouille, c'est celui qu'on trouve, je crois que c'est au D, non pas au D, au Lego, au magasin Lego, qui se trouve justement à Disney Village, à côté de Disneyland Paris. Si je me rappelle bien, je crois qu'ils en ont un là-bas, un R2D2 fait en Lego, mais il est limite grandeur nature en fait. Et il est ultra impressionnant. Alors, c'est quoi ce truc? Docker WireGuard, LinuxServer.io. Regular and timely application update, easy user mapping, custom base image avec un overlay. Ok. Weekly base OS updates. Ah, cool. Common layer across the entire LinuxServer. Ah, ok, ça c'est cool. Ok. Ça a l'air d'être des gens sympas, LinuxServer.io, là. C'est quoi? C'est quoi comme service? Qu'est-ce qu'ils proposent? Building and maintaining community. Oui, mais encore. Un groupe d'enthousiastes. Ok. Image standardisée, regular update, first class documentation. Ouais, enfin, c'est bien gentil, mais ces gens-là, il faut qu'ils mangent aussi. Ou ils font ça, ou c'est complètement genre fondation et tout et tout. Ils auraient du Nginx aussi, par hasard, par exemple. Ouais. Ils sont un peu en retard sur la version, mais à la limite, c'est pas très grave. Il existe une image Docker WireGuard All-in-One genre WG Easy ou Easy WG. Ça se cherche. WG Easy. Ah bah tiens, hop. Ça doit être ça. On parle Star Wars, et là je vois une notif de Premium pour le jeu gratuit Star Wars Rogue Squadron. C'est bizarre, mais je suis passé à côté de quasiment tous les jeux... Ah, Prime Gaming, ok. Je suis passé quasiment à côté de tous les jeux Star Wars. Il y en a juste un... auquel j'avais joué, qui était la menace fantôme,
que j'avais eu avec le premier PC familial. Et en fait, le jeu était pas. Il était pas mal, mais il était pas ouf non plus. Je l'ai jamais fini en fait. Il était un peu dur. Le plus moyen, le plus facile de installer et manager WireGuard sur un. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une web UI. Oh, sympa. Installation facile, simple à utiliser. Liste et. Oh. Show claims, QR code. Ok. Donc ça devrait être bon. On va essayer. Hein. On va essayer. Alors la question c'est est-ce qu'il est sur le Docker Hub? Si je fais. On a dit que c'était quoi? WG Easy. Ok, il y est. Allez. On va se rajouter. Ah oui, c'est vrai qu'on a aussi la blague des logs qu'il faudra que je gère un peu. Donc c'est celle que tu utilises, Vengeur. Bon bah c'est cool, je te fais confiance alors. Hop. Je vais même aller vous proposer le lien ici. Alors. Et donc leur truc c'est. Hop. Et on va le mettre en IP4. Alors pour l'instant en termes de port, je sais même pas sur quel port il est, ouais, regarde. Tiens, j'ai une idée. Hop, est-ce si je fais un grep WG ETC Services. Wire peut-être. Tripwire, non. Mince alors, c'est quoi le port de WireGuard? WireGuard default port. Nidouille, j'ai la ref, Nidouille. Quick start. Compilation, non limitation, performance, NAT and firewall traversal. Ah, il faut quand même. Ils ont pas normalisé encore sur le port dédié? En UTP? Tu veux dire UDP, Midouille? Tiens, d'ailleurs, ça doit faire un petit moment, normalement, maintenant, shootout à Midouille. Hop, voilà. Allez, posez vos follow chez elle. Alors, on voit la peine. Le 51-820. Je suis curieux de savoir où est-ce que tu as trouvé cette info. Démo serveur. Ouais. Non. Non, ça c'est autre chose. Ah voilà. Endpoint UDP port 53-133. Salut à toi Tinos, bienvenue. Et merci pour le petit commentaire, effectivement. On met ce qu'on veut, c'est une chose, mais j'aurais voulu voir le. Je voulais me baser sur le port par défaut. Il y a un port par défaut, voilà, mais pas de port standard. Ok, bah a priori par défaut. Alors Nidouille nous a filé un lien. Je vais essayer de le copier. Sur le site de WireGuard, on voit que ce serait le 53-133.
Et là, tu me disais... Ouais. Alors, sur Cyber News, ils disent par défaut 51.820. Alors, est-ce que le défaut aurait changé? Non, merci. Je veux pas aller chez NordVPN. On va essayer celui-là, on verra bien. Hein. Au pire, ça change. C'est pas grave. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Et on va dire, hop, WG easy log, SRV log, ça c'est juste pour la blague, au cas où, et on verra. WG easy, ne dit pas dans sa doc. Ah, bonne question. Bonne question. Ah, le default est le 51820 chez eux. Ok, bien vu The Vengeur, bien vu. Et bah allez hop, on va changer ça tout de suite. Tac. Et ensuite on verra. Ah, il y a moyen de faire avec des. Ok, cool. On va voir ça après, hein, ces histoires de port, ces histoires de valeur. Ok, donc déjà, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Si je relance mon playbook et je lance en entier. Alors, forcément, il me fait un change ici. Hop, WG-Easy, ça passe. Est-ce qu'il va me créer le répertoire de log au cas où? Bon, là, il est en train de s'occuper d'Nginx, enfin, en tout cas, du reverse proxy. Maintenant, il s'occupe du payroll. J'ai pas vu pour l'interface web, tiens, en attendant. Est-ce que l'interface web a un port... Parce qu'on m'avait dit qu'il y avait une... Je crois que t'avais dit qu'il y avait une interface web là-dessus, hein. Elle est où? Ah, il y a un port TCP, il y a un port UDP. Ok, ah, je crois que je me suis pas planté d'ailleurs. Je crois que j'ai oublié de préciser TCP et UDP là-dessus. Hop là, Ansible, Podman. Containers.podman. Hop. Un peu plus loin, il indique le port de la page web. Ok, et eh ben on va les ajouter. On va déjà s'assurer que je fais ça en. Alors, IP non. Hop, c'était quoi déjà? Alors. On utilisait quoi pour les ports déjà? IP, image, volume, port, ports avec un. Ok, hop. Tac. Exposed. Expose, ok. Et comment il le. Ah non, ça c'est expose, c'est pas. Remarque, tout setup pour redirection. Ouais, ok. Expose. Mais il dit pas sur quel. Si, comme ça, voilà. Slash UDP à la fin. Hop. Donc ça veut dire que je peux aller ici et faire ici slash UDP. Et ensuite on retourne voir sur la page du projet. Qu'est-ce que j'en ai fait de la page du projet? C'était pas celle-là. The Web UI
D'accord, c'est pour ça qu'il met en TCP le 51-821. D'accord. Ok. Hop. Allez, on la refait. A priori, si je viens ici et que je refais un petit sudo podman... Yes. Ah, tiens. J'ai un payol. Non, j'ai pas, j'ai pas la liste. J'ai pas le reste. Tiens, c'est fou ça. Minutes ago, exited. What? What? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Pourquoi? Bon, on va retester, hein. Pourtant, il est censé l'avoir lancé, hein. Bon, je vous avoue que je m'attends pas non plus à ce que ça aille ultra ultra vite et qu'on ait un truc fonctionnel, parce que de toute façon, idéalement, il faudrait que j'installe un client quelque part dans le même réseau. Est-ce que je devrais pas lancer une installation d'un autre Linux? Il n'y a pas de souci, Nidouille, on viendra te faire un petit raid. Merci. Et bon, là, il va toi aussi, Nidouille. Allez, on va faire un truc. Alpine Linux. Hop. Download. Hop. Alors. Virtual. Copier le lien. On va aller se mettre ici. Hop, bah, il est déjà arrivé. Ok, cool. Il me dit quoi? Il me dit que enable, il a fait ok. Ouais. Mais. Alors, ce que je vais faire, tiens, je vais changer un peu mon concept, entre guillemets. Je vais changer le nom. Je vais mettre WG Easy sans tiret. Je me demande si ce serait pas l'un des soucis que ça pose. Voilà. Ok, là on est bon. Donc il se marche pas les pieds sur ça. Et qu'est-ce qui se passe si je tente un sudo etc systemd. Si on regarde déjà les il y a bien un container. Chavenette, elle est mangée, je crois, non? Donc, bonne soirée à toi. Hop là. Alors. Failed to start. Pourquoi? Started request repeated too quickly. Je
Journal CTL. On va utiliser Journal CTL pour voir un peu les logs. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, il me dit que la variable d'environnement n'est pas 7. Ah, donc si cette variable d'environnement n'est pas 7, il chouine. Ok. Donc il va falloir que je rajoute une variable d'environnement là-dedans. Et que je rajoute un mot de passe d'admin aussi. Ok. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Donc finalement, je vais garder mon tiret, parce que je ne vais pas commencer à changer les trucs, finalement. Comment est-ce que je peux rajouter des variables d'environnement si je jette un œil? Je peux faire ça ici. Sauf que si je me mets à avoir à gérer... Bah, je vais faire pareil qu'avec mon sync, en fait. Je vais faire pareil qu'avec mon sync, parce que là, j'ai quoi? Run container list. Ouais. Mais j'ai un when avec item sync égale true. Donc ce que je peux faire, c'est faire... Ah, j'ai une petite idée. Je peux peut-être faire un env. Je vais la tenter comme ça. Je vais faire env. Et on va dire... Bonne soirée à toi aussi, Mr. Slayer. À bientôt, j'espère. Alors, ah, il faut rajouter les noms des anges. Comment est-ce que je vais pouvoir lui ajouter les anges en, alors ça, de toute façon, on peut le quitter. Voilà. Que de fait, il faut que je lui mette. Voilà. Donc on a dit wg enfin underscore host. Comment il me dit de le faire? Il nous dit 2 points et la valeur. 2 points et la valeur entre quotes. Comme ça. Et le host. Le host, il faut qu'on mette une IP ou your server IP. Ah bah, ça va être vite vu dans ce cas-là. C'est ça. Hop. Et ensuite, il nous faut un password. Bon, vous connaissez la chanson ici. Alors, idéalement, je mettrais... comment dire? Idéalement, j'essaierai de mettre un truc dans un Ansible Vault. Ah oui, c'est vrai que c'était .4. Effectivement. Bien vu, The Vengeur. Bien vu. Hop. Et password. Alors, comme je disais, idéalement, il faudrait que je fasse un Ansible Vault. Mais là, pour le moment, c'est juste pour tester. Et maintenant, il faut que j'arrive à boucler là-dessus et il y en a un qui suit et le problème c'est que c'est moi. Il y a quelqu'un qui il n'y a pas de souci, The Vengeur, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, on va s'en sortir, t'inquiète pas. Euh...
Salut à toi, Lama Spanzer. Alors, ce que je suis en train de me dire, c'est que on pourrait, je pense, boucler là-dessus. On pourrait boucler là-dessus. Tiens, d'ailleurs, je vais peut-être virer. On pourrait virer ça. Ça, c'est du commentaire. Il y a un Notify aussi qui traîne. Ah oui, c'est que le Notify, je me le garde de côté. Comment est-ce que je pourrais boucler sur les environnements et surtout m'assurer que ça marche si je n'en mets pas. Parce que dans ce cas-là... Ah mais attends, j'ai le truc avec les volumes, host. Donc je peux faire la même en fait, c'est que je vais faire... Je peux faire item... Et ce sera pas host pod. Et ce sera même item.2. Ah mais attends, je vais avoir containers subelement volume. Parce que item.0.name. Item.name, ouais, ok. Oui, ce qui est le containers. Comment est-ce que je vais pouvoir... Est-ce que je peux faire un subelements? Alors, Ansible subelements. Alors. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Setup MySQL user given MySQL host and brief subkey list. Ah, donc il y a deux subkey list a priori là-dessus, donc ça m'intéresse. Pas de soucis, The Vengeur. Amuse-toi bien, toi aussi. Bon désengage de zombies. Host and il a les users, il a les hosts. Alors comment je m'y étais pris? Je vais me permettre d'aller jeter un œil sur un autre projet. Est-ce que je l'ai ici? Ouais, Bootstrap Workstation. Alors, ce que je cherche à faire... donc je suis en train d'essayer d'automatiser des conteneurs Podman, qui est compatible Docker, avec Ansible. Et en fait, ce que je veux, précisément, c'est dans ma tâche run containers list, en fait, je génère en fait cette tâche, en fait, elle boucle. En bas, tu vois, tu as un containers et un subelement volume. En gros, je boucle sur une liste de conteneurs que j'ai dans mes variables ici. Et là, tu vois, j'ai un conteneur WireGuardEasy, j'en ai un autre Payall, et puis j'ai des Nginx qui tournent. Et en fait, à chaque fois, chaque conteneur, eh ben, il a un nom, il a une image, il a une IP, il a quelques paramètres. Notamment, ben, si je veux monter des volumes, je peux indiquer le chemin sur l'host et le chemin dans le conteneur. Et puis, je peux faire de la redirection de port.
Tiens, j'ai fait comment pour les redirections de port? J'ai fait item.0 default. Mais c'est ça en fait qu'il faut que je fasse. C'est ça qu'il faut que je fasse en fait. Voilà, item.0.env. Et je pipe dans le default. En fait, c'est ça, c'était juste sous mon nez. Voilà. Puisqu'en fait, ce que je voulais, c'était donc faire passer les variables d'environnement s'il y en a. Et si jamais il n'y en a pas, bah, ne pas en mettre. Et donc, par défaut, on a en fait... en gros, là, je pourrais faire... Si jamais il y avait une variable YOLO qu'on pouvait faire, si je mets ça, ça veut dire qu'il n'y a rien, en fait. Donc, à partir de là, là, maintenant, ça devrait être pas mal. Je me suis pris la... Je suis parti dans une histoire de boucle. Alors que finalement... D'ailleurs, je suis en train de me dire que si ça se trouve, j'aurais pu... Est-ce que mon histoire de volume... Ah oui, non, parce que j'avais le sync. J'avais le sync quelque part. Ah non, le sync, c'était autre chose. C'était pour du... Alors. Et non. Il se plante. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous dit que l'argument env est de type class list et qu'il était... Il n'arrive pas à le convertir en... Ah, ils n'arrivaient pas à le faire côté sur les autres. Par contre, là, il me l'a mis. Ton default de env. Ouais, le default de env, a priori, il ne l'aime pas. Alors que pourtant, sur les ports, ça passe. C'est marrant, ça. Env prend une liste. Et port, il prend quoi? Alors, je te montre. Normalement, ah bah oui, c'est pas la même chose, effectivement. Ce serait quoi le default si jamais je retourne dans les conteneurs? Si je fais un env, hop. Je l'ai pas le... Hop, il est où le env? Env. Set environnement, option, nanana. Mais il dit pas s'il y a une valeur par défaut. Parce qu'en fait, si je regarde... le default, je lui ai dit quoi au juste? Je lui ai dit un crochet... En fait, si ça se trouve, j'ai peut-être juste ça à faire. Je crois que c'est ce que tu veux indiquer, là, ma sponsor, non? Oui, ça renvoie à ça. Mais ça se tente. Non. Hop. Non, ça va revenir au même. Ça va revenir au même, non? Je le tente, on verra bien. Hein. Ça se teste. Non, il en veut pas.
Alors, Ansible, un petit dictionnaire. Value. Tu tombes sur ça. Ah! Oui, parce qu'effectivement, les dictes se mettent comme ça. Eh ben, tu sais quoi? On va le changer, on verra bien. Voilà. Et ensuite, je pense que je me mettrai en commentaire un petit liste et un petit dictionnaire. C'est plutôt bon signe. Merci Lama Sponsor, merci. C'est en train de bien tourner, j'ai l'impression. Là, il me dit change, c'est normal, c'est qu'il redémarre les conteneurs. Il le refait systématiquement. Parce que j'ai remarqué que sinon, certains changements n'étaient pas appliqués. C'est pas très idempotent, mais ça fonctionne. Voilà, et il me fait les enable. Voilà, et pour lui, tout est au poil. Donc, ici, ce que je peux faire, c'est indiquer que... empty value of list is... Hop, et ensuite... Là, alors le item, on s'en fiche. Hop. Volume, non pas volume, empty value. Dict is. Paf. Voilà, comme ça. En fait, dict est une map. Je te crois sur parole. Donc, à partir de là. Il est toujours fail to start. Alors, on va voir ensuite qu'est-ce qu'il a. Il me dit quoi? WG host. Ben, si, je l'ai set. Ah, alors. Ah non, je l'ai toujours pas, tiens. Il m'a bien fait ça. Exited. Ok. Donc c'est que il y a bien un souci. Fail with result exit code. Sauf qu'il m'a fait ça à 18h59. Alors. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit sudo rm etc systemd system container là, voilà. Et maintenant tu vas recommencer. Hmm.
Il n'y a pas moyen de moyenner avec Docker Compose au final plutôt que de loop dans le playbook. Alors, LlamaSpanzer, je pense que j'ai passé assez de temps pour looper dans le playbook pour pas tout casser tout de suite. Mais ça pourrait être une option. Ça pourrait être une option. On pourrait envisager de faire du Podman Compose à l'occasion. Alors, il est toujours pas là. Pourquoi il m'indique 18h59 alors que j'ai bien tenté un redémarrage Ah bah là il charge. Mais il a fail. Ok. Et donc il a fail. Ok. Alors, 19h22, il est parti parce qu'il trouve pas le device WG0. Ça veut dire que le kernel du host ne supporte pas WireGuard. What? Grep moins i WireGuard dans boot config. Je suis sur quoi? Sur le kernel 6.2.14. Config WireGuard M. Ok. Donc c'est un module. Il faudrait probablement que j'active le module. Parce qu'à mon avis, si je fais un lsmode, grep-i. Le service se lance trop vite. Peut-être. Ah, le service. Ah, en plus, le module, il est lancé. Le module, il est là. Alors, c'est quoi exactement les... comment il... Bon, là, il dit Docker, ok. Pré-up, post-up, pré-down. Config.js. Alors, il dit quoi? Pré-up. À la limite, je peux peut-être tenter un slip 10, hein, par exemple, hein. Si tu... Ouais, il a mis un Docker Compose. Ok. Tu penses savoir.
After égale network-online.target. Le service réseau soit up, mais le service réseau il est up, sinon on n'attendrait pas la machine. Ou alors je comprends pas. Alors, voyons voir ça. Sudo systemctl list. Alors, attends. Alors, on va pas s'embêter la vie. Hop. Donc, forcément, on a lui qui est. Parce que de fait, sur la machine host, WireGuard n'est pas installé, hein. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Et quand il dit de lancer le truc. Oh, attends, il y a des 6CTL aussi. Il y a des 6CTL à mettre. Alors, la question, c'est est-ce que je peux mettre des 6CTL via Podman? Configure namespace kernel paramètre at runtime. Eh ben, on va faire la même. Moi, je me pose la question des 6CTL, en fait. Par contre, j'ai pas d'exemple avec les 6CTL. Il me les met comment dans WireGuard Easy. Hop. Il fait un moins moins 6CTL égal, moins E. Hop, allez, on va retenter, on va aller le voir ici, on va dire 6CTL, alors, et là, j'ai pas de 6CTL là-dedans.
Attends, parce que ce truc-là de sample, ça m'a l'air chelou. C'est... Ah non, il me dit rien, mais il dit que... Ah, il dit que c'est un dictionary. Il dit que c'est un dictionary. Donc ça veut dire qu'on va l'utiliser comme pour env. Donc, ce qu'on peut faire alors... C'est faire... C'est faire ça. Ça. Et ensuite, ici, on peut mettre la même chose, ou presque. C'est-à-dire... C'est-à-dire ça. On va d'abord essayer ça. Après, si ça suffit pas, ça suffit pas. Mais l'histoire de prio des services... Sachant que j'en ai... Enfin... J'ai zappé un tiret ? Little Black, tu penses que je l'ai zappé où le tiret ? Ah, ok. Ah, pas de soucis, hein, ça peut arriver. Je suis pas le dernier à faire des fautes de frappe. Ça arrive. Quel service pourrait... A priori, ça suffit pas. Bon, et bien entendu, il n'indique rien sur les... Non, il a encore fait le toStart. Journal, c'était L. Non, non, toujours pareil. Donc, à partir du moment où ça, c'est pas... Il te dit que le start a été répété trop vite. Hein? Alors, attends, où ça? Ah oui, start request repeated too quickly. Start request repeated too quickly. Tu peux essayer le slip, ça se tente. Pourquoi le log est toujours en 19h22 alors que je viens de le relancer? C'est une bonne question. Et il me refait la même. On va tenter le slip. Où est-ce qu'on voulait le mettre déjà? C'était dans quoi? Dans les pré... dans le WG pré-up, hein, je crois. Hop. Plutôt dans le unit file. Alors Lama Sponsor, pour l'instant le unit file, j'ai pas vraiment la main dessus. Il est auto-généré par Podman.
On va relancer ça, on va bien voir. Je voudrais juste m'assurer que... Recreate, true, ouais. Pourtant. Question à la con. Container, Podman. Podman, containers, manage Podman, containers in a batch, export, generate system D unit, pull image, image info, import, load, logout. J'espérais voir quelque chose, s'il y avait moyen d'utiliser Podman Compose depuis Ansible, mais j'ai pas l'impression, en tout cas, c'est pas dans les trucs officiels, visiblement. Et l'unité systemd, comment on la gère? On a un after. Donc effectivement, on peut peut-être gérer ça. Bon, le container, ça on l'a laissé. Set environment variable. Ah, je commence à me dire que le new il va peut-être être utile. Alors, où est-ce qu'on en est? Le truc le dit que ça a l'air d'avoir été bien, mais à mon avis, je ne le crois pas. Non, voilà. 19h22, 19h35, bah ouais, mais il est 38. Donc il y a un truc qui est louche, effectivement, il y a un truc qui est louche. Generate systemd. Run containers. Ah mais alors attention. J'utilise le run containers list avec un generate systemd. C'est quoi le nom de l'image? Ah bah attends, je t'envoie ça. Hop. Je vous envoie ça même. Donc ça c'est sur Docker Hub. Et ça c'est sur GitHub. Hop. Et en fait, je commence à me dire, est-ce que je devrais pas faire le generate systemd ailleurs? Parce que en gros, si je vais... Pourquoi il y a du daemon dans une image Docker? Container spodman container. Et là, si je fais systemd... Non, c'était quoi? C'était generate. Generate systemd. Dictionnaire. Add the systemd unit after container prefix. Names. New. Create containers and pods when the unit is started. D'accord. On va tenter un new IS, tiens, allez. Enfin, du coup, à trou. Hop. Eh, on a un restart policy aussi. Allez,
Pour le moment, on va laisser ça comme ça, puis on va voir ce que ça donne. Est-ce que je vais peut-être même... Ouais, non, je vais faire ça. Hop. Moi, ça me surprend déjà qu'il relance pas le truc. Je trouve ça bizarre. Non. Ah non. Ok. Ok, il est pas content parce que ouais, les conteneurs existent déjà. Ok. Soit. Et là, normalement, avec un peu de chance. Ah! Il tourne. Est-ce qu'il reste encore là? Non, il est parti tout de suite. 19h35. Ouais, mais non, mais il est 42. C'est la machine qui est... Non, elle est à l'heure. Et toujours repeated too quickly. C'est quoi déjà la commande système, système D quand on... Daemon Reload, merci. Système CTL, Daemon Reload. Voilà. Donc finalement, ça, ça a pas l'air de... Ça n'a pas l'air d'avoir l'effet escompté. Alors. Six secondes, 9 secondes, 10 secondes. Et. Et il n'y a plus. Et non, mais il est 44 et j'ai rien. Ok. Schedule, restart job, restart counter, it is at 5. Ah, c'est peut-être pour ça aussi. Restart policy, non. Il crash loop parce qu'il trouve pas l'interface. Ouais. Et la restart policy, non, elle y est pas. Il n'y a rien par défaut. Ah, the default policy is on failure. Donc, effectivement, c'est ça. Ou require au niveau du 6-7L du playbook. Alors. D'où ta question, où est défini WG0? Alors, je n'ai pas la moindre idée de comment on pourrait lui... Parce qu'en fait... C'est un conteneur, donc il tourne avec le... comment dire?
il utilise le même noyau que l'autre. Il utilise le même noyau que l'autre. Est-ce que par hasard... J'aime pas ce que je vais faire, mais je vais tenter de les faire tourner en mode privilégié. Je pense que ça, ça manque. Alors. Non. Non, ça marche pas, la Maspanza. Ah, Ribo, j'aime bien la... Mais je pense qu'en fait, c'est parce que justement, même si... Même si les conteneurs tournent en croûte, il y a des protections et en gros avec le mode privilégié, t'es un petit peu plus libre. Mais pour le coup, si ça fonctionne, faudra que j'adapte et que je mette le. Mais je suspecte que c'est pour ça qu'il n'arrive pas à trouver l'interface WG0. Puisque, à mon sens, elle devrait être sur l'autre. D'ailleurs, je serais presque tenté de vouloir vérifier ça. Si on regarde sur le truc, il dit quoi quand de lancer un Docker? Il met pas un genre... vas-y, lance en mode privilégié ou... non? Bon, bien entendu, Ansible est content. La question maintenant, c'est... je crois que ça marche. Ah, cap add, moins net admin. Bon, bah voilà. Net admin. Donc en fait, faut pas que je le mette en privilégié, faut que je lui rajoute les caps. Mais là, on voit, il tourne. Hein. Et si je tente maintenant d'aller sur... Alors... Sur l'interface, on a dit quel port? Le 51-821. Voilà, WireGuard, ok. Paf, je suis dessus. Ok, très bien, donc le mode privilégié, il nous a permis effectivement de comprendre ça. Ok, donc maintenant, il faut que il faut donc que je lui donne des capabilities. La question, c'est comment, au niveau de Ansible, je peux lui donner... C'est quoi ça? Ah non, ça c'est système des modules. Cap, add, voilà. Et list element string. Ok, donc on va pouvoir faire comme avec nos ports, je crois... Donc je lui dis hop, on revient dans la liste des conteneurs. Et donc, on a dit netadmin 6 modules. Alors, comment je les lui colle? Comme ça, et c'est une liste, en effet. Voilà. Et on est reparti. J'ai bien... j'ai donc netadmin... Hey, salut à toi Salut à toi, JC Guillon.
Alors, juste pour être sûr que j'ai bien commenté le privilège, je vais me le supprimer. Et on redémarre ça. Alors, la question maintenant, ça va être si ça fonctionne. Est-ce que c'est qu'il a bien activé les capabilities ou est-ce qu'il a laissé le mode privilégié? Hop. Alors, a priori, il a passé les capades. Enfin, il dit qu'il les a. Enfin, ça, c'est le enable. De toute façon, elles sont dans les... Oui, c'est parce que de toute façon, c'est... Je suis verbeux à ce niveau-là, donc... Et il a pas l'air d'être démarré des masses, hein. Ouais, 19h42... Error, no container, 9 with ID... ah oui, mais non, c'est pas celui-là que je veux. Ce que je veux, c'est container-fichtre. WG-easy. Ouais, 35. Il est 53. Systemd, qu'est-ce que tu me fais, systemd? Alors, active running. Et oh, il a fait des trucs là, mais il a pas aimé. Et il a quitté. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Error. Error, command failed. Salut à toi, Pastacons. Alors, pourquoi il a fail? Parce que IP table, legacy. Perhaps IP table. Oh, your kernel is to be upgraded. Oui, bien sûr. Ils disent dans la doc. Ah oui, mais alors, ça va être ennuyeux, ça. Ça va être ennuyeux, ça. Permission denied, USB root. Ouais. Ça va être ennuyeux parce que je suis sur une machine qui est en... C'est dans mes logs. Ah. Oui, enfin, il dit... Non, attends, il dit qu'il veut lancer IP table. Ouais, mais la blague, ça veut dire qu'il faudrait que j'installe... Alors attends, pourquoi il dit you must be root?
Pourtant, on lui a donné des mince. On lui a donné des capabilities. Elles suffisent pas. Faut vraiment que je lance en mode privilégié. J'ai bien un impeccable legacy. Ok, donc Firewall D n'est pas installé. Parce que pour l'anecdote, petit rappel. Ah non. Petit rappel, donc, la machine tourne sous Fedora. Est-ce que j'ai pas un moyen de définir un network pour mes containers? En fait, c'est déjà le cas. Il y a un dollar devant le WG Quick. Quel est l'user qui l'exécute? Bonne question. Alors, donc déjà, network pour mes containers. C'est déjà le cas. Puisque si je remonte... alors, celui-là, il n'est pas utilisé. Mais, comme je définis... Alors, ça, c'est le truc. C'est ici, tu vois, à chaque fois, je définis l'IP de mes... l'IP de mes conteneurs qui est dans en fait le réseau dans le réseau interne. Donc il y a déjà un network qui est défini en fait. Et ensuite si on revient au WG Quick. Je n'ai pas la moindre idée de l'utilisateur qui est utilisé. Ouais, mais si tu regardes dans le Docker Compose sur leur Git, alors leur Docker Compose, il est là. Il y a une partie network et les containers en sont membres. Network, WG, Easy, IPv4 adresse, 10.8.1.2. Ah, mais attends, ça c'est le... Pas de soucis, Haribo, merci d'être passé. Et puis de toute façon, on va pas tarder à s'arrêter nous non plus. C'est juste que moi, par contre... Tu vois, lui, il a un 18.0 et ensuite il définit son réseau en 18.1. Sauf que moi, mon réseau, je le définis en 10.88.80, en fait. Parce que c'est celui qui est dispo par défaut. Et d'ailleurs, il... Ah oui, d'ailleurs, il dit en post-routing 10.8.0. Oui, mais ça, à la limite, ça, je comprends. Moins O ETH0. Je pense qu'en fait, il détecte pas forcément le bon truc. Enfin, si, non, il dit moins S, ça c'est normal. Puisque ça, c'est sa source. Donc, ouais, sinon, c'est. Il y a peut-être le moins O ETH0 qui est. IP-4, moins O. Ah non, c'est bien ETH0. Il y a Nano GitHub qui semble lié et c'est bien le. Oh là! Eh, merci JC Guillon. Voyons voir ça. Hop. Rootless, Podman, WireGuard, Container. Ouais, donc en fait, on va devoir le lancer en privilégié. Alors, due to SE Linux, mais pour info, SE Linux, moi, je l'ai mis en permissif. J'avais voulu essayer en enforcing au début, et en fait, il s'est avéré qu'il y avait pas mal de soucis. J'espère revenir dessus un de ces jours. Mais dans l'immédiat, je me suis dit, pour avancer sur ce projet-là, j'allais mettre SE Linux de côté. À mon grand désarroi, hein.
Alors, je suis en train de lire ça, ça a l'air très instructif quand même. Le truc, c'est si tu vas à la fin de l'issue, il n'y a pas vraiment de solution. Ouais, je pense qu'on va, on va devoir s'asseoir dessus et mettre le conteneur en mode privilégié, en fait. Donc, à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter dans mes options. Donc, ici, je suis dans les variables. Et on va dire. On va rajouter ici, on va faire privilège trou. Zut. Ah bah attends, on va avancer. Hop. Et j'avais mis ici privileged. C'est ça, hein, c'est. Allez, on fait ça, puis après je pense que je vais couper. C'est ça, privilège. Hop. Et donc, ce sera hop. Item.0.privileged pipe default. Hop. Et default, ce sera false. Hop là. Ok, allez, c'est reparti pour un tour. Probablement le dernier. Et je me suis trompé dans la syntaxe. Parce que... parce que je sais pas comment écrire le default. Alors... Ansible value false. Avec un F majuscule, sans côte. Ah ok. C'est moi qui voulais faire du zèle avec la côte. Alors, roulement de tambour, qu'est-ce que ça va donner? Bon, ça m'attriste un peu quand même de voir tous ces changes. Je sais que mon idem potence, je me suis aussi assis dessus, par endroit, et ça m'embête un peu. Mais il faudra que je vois si effectivement je devrais pas sortir la partie génération de la partie génération de comment dire de génération d'unité systemd dans un dans une autre tâche vu qu'il y a une tâche directe. Ok, donc ça c'est lancé. Ok, donc ça y est, maintenant il est route, il est content. Ansible as usual. Non, mais très sérieusement, enfin, j'essaye de vouloir faire les choses de façon propre, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Voyez, regarde, il indique 20h05, donc comme la machine étant UTC, donc l'heure est bonne. Ok. Donc a priori, on peut revenir ici, on peut reprendre ici, et password. Ok, très bien. Bon, bah, j'espérais quand même me retrouver
à la fin de cette session avec quand même un client qui fonctionne, ça ne sera pas le cas, mais c'est pas grave. Ça attendra la semaine prochaine. Une cliente. Je vais quand même tenter de jeter, ne serait-ce que une, au moins créer le truc pour voir que l'interface web fonctionne. Tac. Et il peut m'afficher. Alors bon, allez-y, scannez-le si vous voulez. De toute façon, le truc est pas ouvert sur internet, donc hein, c'est pas très grave. Et il propose même de télécharger, j'imagine, des, la config. Oui, oui, c'est quand même une bonne avancée, Little Black. Je suis d'accord. Et puis ça a permis d'apprendre des choses. Ah, il a voulu télécharger des choses. Mine de rien, ça aura été assez instructif. Parce que c'est vrai que avec le fait que Podman est rootless par défaut et le fait de rajouter, de voir qu'il faut rajouter des capabilities, ce genre de choses, mine de rien, on apprend au passage, on apprend des choses. Et ça, c'est cool. Parce que je le dirais toujours, hein, mais dans mes streams, j'attends, enfin, j'apprends. Je suis pas là juste pour montrer comment on fait des choses. Bien souvent, je découvre en même temps que vous et j'apprends en même temps que vous. Voire même, vous m'apprenez des choses. Et ça, c'est chouette. Bon, eh ben, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vais passer hop, dans ce mode-là. Bien, bien, bien. Eh ben, j'espère que ça vous a plu. Parce que moi aussi, je suis assez content. On a eu, j'ai envie de dire, je suis... Alors, même si, effectivement, j'aurais aimé avoir un, comment dire, un serveur WireGuard fonctionnel plus tôt et pouvoir popper une VM pour aller faire une connexion entre une autre VM et celle-ci. Le fait est que, mine de rien, on a avancé, on a appris des trucs, et ça, c'est toujours chouette. Donc j'espère que vous êtes aussi content que moi pour ce soir, parce que malgré tout, je le suis. Merci, merci à toi Little Black d'avoir été là. N'hésite pas à rester quelques minutes, juste le temps qu'on aille faire notre raid traditionnel à Nidouille qui est passé en plus avant. Comme ça au moins, ça, non seulement ça me soutient, mais en plus ça la soutient elle aussi. Donc, si vous voulez voir la suite... Si jamais vous avez envie, eh ben c'est très simple. Si ce n'est pas déjà le cas, ben vous suivez cette chaîne. Et comme ça, vous aurez la notif. Mais sachez que normalement, la suite de ces aventures, ce sera jeudi prochain à 20h. Alors, habituellement, je stream aussi les dimanches sur un autre sujet. D'habitude, en ce moment, le dimanche, je fais de la contribution au système d'exploitation NetBSD, en particulier en termes de packaging, puisque donc, je fais du packaging pour NetBSD. Mais il se trouve que ce dimanche, donc pour rappel, ce dimanche, je ne suis pas disponible, donc il n'y aura pas de stream. Mais habituellement, c'est le dimanche de 18h à 20h. Mais le meilleur moyen de ne rien louper, ça reste encore de follow la chaîne et bien entendu d'activer les notifications. Sur ces bonnes paroles, moi je vous souhaite une excellente fin de soirée. On va aller faire un raid à Nidouille. Des bisous à vous aussi. Et d'ici là, je vous dis, ben, amusez-vous bien. Je vais passer, bon, comme d'habitude, je mets d'abord la page de fin et ensuite je raid. Allez, ciao ciao !